Les deux autres passés, c'était Evan et Loni. On est mort de rire. Tout simplement, il a réservé quelque chose d'assez grave quand même. J'oublie à chaque fois et vous le faites pas. Abonnez-vous, les gars. La plupart des gens qui regardent sont pas abonnés. Ça coûte rien et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Bonne vidéo, peace. Sur ma chaîne, c'est avec beaucoup d'émotion. Voilà, c'est mon premier vrai tournage. Je suis un peu tremblant parce que c'est beaucoup d'organisation. Quoi, il a bien quand la balle. Bienvenue sur un dîner presque raté. Le mien sera réussi. Vous avez vu les petites décos et tout. Tu peux filmer un peu, tu vois. Ça se voit, il a une paire de Lacoste Archini. La prison. Mon menu, c'est quoi? Menu typique prison. Pain, plat, poulet, parce que tu vois, les poulets. Purée, parce que tu as prison, purée et tout, c'est parfait. Et dessert, on va faire des boudoirs. J'ai juste pris des boudoirs et du fromage blanc et je vais bricoler un truc. Masterclass en approche. J'espère que vous aimez bien mon petit. Voilà. On a investi, hein. TikTok, ça paye. C'est pour ça que je me lance sur YouTube maintenant. Bref, petite déco, tu vois, les petites banderoles un peu, scène de crime. Thème prison. Petit, hein, petit chapeau. Non, comment tu veux faire de la bonne bouffe avec thème prison? C'est comme genre thème cantine. Bref, comme vous avez vu, j'ai pensé à ça. Quand même en prison, ils mangent mieux qu'à la cantine. Des vannes, regardez la déco. Ça m'étonnerait pas. Dites-moi en commentaire. Et mentez pas, la mienne, elle est beaucoup mieux. J'ai même pas besoin de vous demander carrément. Bref, let's go. Il a juste mis du scotch jaune, hein. Il nous fait genre, il a fait une déco de fou. On va faire les petites courses là, histoire de préparer une petite masterclass. Je vais un peu au feeling, tu vois, mais j'ai confiance en mon talent. Que là, ce qu'ils ont fait avant, c'était un peu nul. Moi, je pense que je vais faire mieux. Let's go. Du coup, les gars, j'ai préparé une recette que j'ai vue sur TikTok. Je l'ai fait trois fois déjà, trois fois c'était une masterclass. C'est du poulet, je mets du paprika. Ah non, moi je prends ça, mais c'est à 6 euros, genre. C'est juste du poulet assaisonné. Mettez des pouces et tout, genre. C'est bien. Du coup, on va en prendre 4. Moi, je veux manger. Je vais pas manger ça, genre, c'est. 6 euros, frère. Bref, ensuite, il nous faut de l'huile. Histoire de huile. Ils peuvent se faire poursuivre par M6. Ça m'étonnerait même pas, hein. Younes jure le sub, j'avais même pas vu. Non, parce que le logo en bas à gauche, là. Parce que le logo en bas à gauche, là, c'est vraiment c'est le même. Juste barré un peu, quoi. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'M6 se dise à un moment. Ouais. Je suis très dispersé. Hein, même pas trop. La masterclass est en cours. On va prendre la laitue, la moins chère, bien évidemment. Là, elle a 1 euro. On va prendre 2 sachets. Du coup, du jambon. On prend du blanc de poulet ou du jambon? C'est toi qui décides. En vrai, le blanc de poulet. Ouais, c'est chaud. Du blanc de dinde. Je sais si va être content comme ça. Protéines. Allez hop, masterclass. Est-ce qu'on met du petit fromage et tout dans la salade? Ouais, des petits bouts d'emmental. Ça, c'est bon. Hein. Je vais faire une masterclass. Emmental. Hop, on va prendre ça. Hey, j'ai pas beaucoup de sous, hein. Je suis un ouf. Moi, je mets dans le caddie comme ça, j'ai même pas le prix. Heureusement, TikTok, je suis payé des millions, frère. Du lait pour la purée, n'est-ce pas? TikTok, ça paye vraiment beaucoup, les gars. On est obligé de mettre de l'huile quand on fait. 10 millions de vues. Moutarde, hein. En un jour, 50 centimes. La vidéo fait 500 000. 50 centimes, même pas assez pour s'acheter une boule de mammouth. Moutarde, moutarde, moutarde. 2 euros. Boum. Du coup, ça c'est bien. Paprika, 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 paprika. Delicious. On va prendre la moins chère. 4 personnes. Parfait. Pour le plat, on est bon. Dessert, du coup. Ouais. Mais plat de quoi, là? Après, il a pris juste des trucs prêts à manger. Il n'y a aucun plat de réalisé, là. Dessert à la masterclass. Je sais à peu près ce que je vais faire. Je sais pas si ça va rendre bien. Ça compte thème, non, moi, je suis dans le thème, là. Franchement, s'il dit je suis pas dans le thème, je comprends pas. En vrai de vrai. Il n'y a même pas d'ingrédients, c'est juste. Ok. Je pense là, on en aura pour vous. Tu poses la purée, tu poses la laitue, quoi. 49. Vous faites pas des réductions des. Parce que moi, je suis sur TikTok et tout. Même mon sourire, regarde. C'est caché par Oh là là. Là, elle lui dit, je rigole en dessous, t'inquiète. C'est drôle. En plus. Mais là, je vais aller vivre à Punta Cana. Ouais, bon courage, hein. Yes, aïe. Mais me dites pas, son plat, ça va être juste de la purée avec une tranche de jambon de dinde. C'est vraiment, comme je vous ai dit, thème. Prison. Donc j'ai pris des petites assiettes, comme ça je fais pas la vaisselle. Des gobelets, donc j'ai pas pris de jus parce qu'en prison il n'y a pas de jus. Là j'ai le poulet en préparation aussi, j'en ai pris 4 parce que moi je suis au régime, j'ai pris un peu trop de poids là avec les fêtes et tout. Je rigole, en fait ça coûtait trop cher. Et bah, bref, en gros, boum, poulet, je mets de la moutarde, j'enrobe un peu de moutarde pour malaxer, tu vas voir, malaxer, j'ai l'expérience. Ensuite, tu mets du paprika, malaxe encore comme ça. Arrête, tu le laisses reposer un peu au frigo comme ça, il s'embrasse bien la moutarde et le paprika. Ça fait un bon arôme, un poulet bien bon, bien. La dernière fois j'ai mangé ça, c'était trop. Il dit c'est pas bon, je quitte les Jackson. J'annonce, toi je vais flop son repas. En plus, il s'est couché à 6h du mat, il s'est mal réveillé, donc là tout va brûler. J'espère que il a pensé à ça. Et pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, hey, ça fait six mois il parle. Ouais, je vais les boire. Totoche, vraiment, qui de nous ça qui a la plus grande gueule? J'aurais dû y penser. Totoche, il a une grande gueule. Toujours il fait ça. Non, parce que là, il a. Mais ils sont vraiment en prison là, par contre. C'est sur ce que je vais faire. C'est vraiment dans le thème. Non, frère, il est malade. Je pense, lui, en fait, il est en train de se dire, il va juste faire un plat simple.
Mais vu que c'est bien. Le mur, il est vide. Je le jure. Get le petit Link. Il va tellement pousser la déco, non, il va négliger le reste. La préparation, vas-y mon gars. Je vais te montrer comment je fais le poulet, après on va aller chercher. Alors concrètement, tu vois, tu prends la moutarde, tu mets la moutarde comme ça sur le poulet, tu vois. Tu mets comme ça, voilà, tu prends comme ça, hop, boum, tu prends le poulet. Il s'est lavé les mains, à votre avis? La moutarde, faut qu'elle embrasse. Sondage? Je suis un ancien. Salut, Rohan, Johan, merci vraiment pour le sub, mon gars. 9 mois, chiche le bébé. Quand tu sens que la moutarde ne fait qu'un avec le poulet, c'est parfait. J'ai les mains propres, hein, je me suis lavé les mains, frère. Hop, boum, là tu rajoutes un peu de paprika comme ça. Caca, caca, paprika, caca, caca. Wesh. Il n'en met pas là. Il y a un opercule. Non mais. Oh là là. J'ai juré. Alors attends, but me. Ah. Parfait. Il va juste mettre du paprika, aucune autre épice là? Oh, boum, 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 paca. C'est tout. Caca. Moutarde, paprika, boum. Là, c'est bon. Là, le poulet, il est prêt, tu vois. Il est prêt à être cuit. Là, je me prépare juste la salade. Je mets un peu de moutarde dedans. Si, il tousse pas en mangeant ce poulet quand même. Là, je sais pas. J'avais envie de mettre de la moutarde, c'est pas prévu. Eh bah, écoute, en vrai de vrai, je pense qu'on peut commencer à les Pas besoin de trop dévisser. Bien sûr que si, c'est du poulet, frère. Tout le monde là-haut. Oh, du poulet, tu dois l'épicer, quoi. Sinon, c'est pas fou. Monsieur, monsieur, pardon, pas. Tu fais pas le malin avec mon trou. Tu ne fais pas le malin avec moi. You understand me? Stupid bitch, get the fuck up, nigga. Fuck up quoi? What's up, man? Fuck you. Hey, hey, restez là, montez pas sans moi. Descendez. Dépêchez-vous, montez là. Montez, fermez les yeux. Tu couvres les yeux, taser. Et ce sera pas sur la sorte de l'eau. Wesh. Non, mais wesh. Un coup de taser, t'inquiète. Ferme les yeux, wesh. C'est quoi ça? Ça, c'est Bobby. Arrête. Si, je fais pas un repas, moi. Je fais un repas, tu manges des sandwichs. Ah, hein? Les gars, bienvenue en prison. Le thème d'aujourd'hui, on peut ouvrir les yeux? On peut ouvrir, suivez-moi. Ouvrir. Tout le monde s'assoit. Moi, j'ai rien fait, hein. Moi, j'étais pas là. On s'assoit où vous voulez. Voilà. Là, on est bien. Messieurs, comme vous l'aurez deviné, le thème d'aujourd'hui, c'est. La prison. Donc il y aura un menu. Prison. Ah ouais, prison. Prison de luxe. Prison, la prison de Jeff Bezos. Haïti. On sait à quoi ressemblent les prisons en Haïti. Ouais, hein. C'est génial. Ouais. Tous les essais dans les commentaires, le lien, vous avez bien entendu. Bref, non les gars, plus sérieusement, voilà, ouais. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est la prison. T'as vu, j'ai fait un petit décor. Je sais pas ce que vous en pensez, il est bien, non? Non, ça va. T'as vu, t'as un petit truc de sécurité. C'est minimaliste. C'est très minimaliste. C'est une prison de luxe. Voilà. Mais alors. Voilà. Très très minimaliste. Hein. Du coup, je tiens à faire référence du coup au dernier dîner presque raté où on m'avait reproché qu'il n'y ait aucun couvert sur ma table. Qu'est-ce que je vois? J'arrive, je ne vois rien. C'est bizarre. Je vais manger avec les mains. Ah, c'est peut-être une prison. Ah, comme on est en Haïti, la prison là-bas. Merci non pour le sub, Rookie. Tu sais, j'ai une question pour toi. Quand t'es en prison, dans ta cellule, l'assiette elle est dans ta cellule? On te rapporte ton assiette avec les plats. C'est ça que je vais faire. Bah non, c'est nous, on va chercher, il y a le set et après. Mais toi, t'as même pas de décoration, pourquoi tu parles? T'as pas de décoration? T'as pris une casquette et une guirlande. À mon donné. Targué, hein. Il y a pas tort. C'est moi le chef aujourd'hui. Attends, regarde. Il y a pas tort. Ouh, bah c'est moche en fait. Il est vraiment aigri par contre. Aigri en bon time, t'as jamais vu ça, frère. Vous êtes des malades, putain. Moi, j'aurais voulu un petit sifflet, hein. Toi, tu ressembles à un billet, tu pipes pas, je suis KO. Toi, t'en fais ta bouche aujourd'hui, on va voir. Bon les gars, je vais préparer l'entrée, je vous laisse faire des trucs. Oh. Regardez, il a osé juger le fait que moi je les ai fait attendre. Il a même pas encore fait son entrée. Mais mon entrée elle est faite dans 10 minutes, 5 minutes monsieur. Monsieur Lombi, hein? On a attendu 12 heures. Oui, mais parce que moi je tenais à vous respecter. Wow. Moi bien, tu m'entends? Je ne saurais les gars, bon. Belém. Attends, j'ai 2 heures à ton truc. S'il vous plaît, défendez-moi, on a attendu combien de temps à ce truc? Violence policière. Ouais, bavure. Bavette. J'adore la bavette. La bave. Mobi, pourquoi il a fait le signe de Wakanda Forever? Pourquoi il a fait Wakanda? Bavure. Pourquoi il a fait le signe de Wakanda de Mobi? C'est pas le bon signe. Ça, c'est Marvel Cinematic Universe, Mommy. C'est T'Challa, c'est pas... Aïe, aïe, aïe. Bavette. J'adore la bavette. La bave. Ça va aussi, c'est... La pointure, let's go. Je
pense qu'ils ont bien aimé la décoration. Le problème, c'est que la cuisine, elle est ouverte, ça veut dire ils voient tout ce que je fais, genre. J'avoue, on dirait un personnage genre Jojo. Les uns. Tu vois comment il est long. Au nom, ça marche bien. Wesh. C'est ce que t'as fait hier. Mais bon, tu veux pas vidéo sur Strike. Gambare mina. Non mais, ok, venez, on cite des trucs avec ceci, là. 1, 2, 3, Prison Break. La Marine, One Piece. Breaking Bad. Oh, joli. Narcos. Oh, les experts. NCIS. Miami. Bad Patrouille. Oh. The Flick de Beverly Hills. Oh. Bad Boys. Oh. Rainbow. Oh. Batman. Oh. Moi, je vais les faire qu'ils en parlent, je pense, aujourd'hui. La déco, elle est nulle, là. Putain, merde. Enfin. C'est du poulet qu'il a mis là-bas. Allez, bientôt. Enfin, concept basket bientôt. Oh yeah, you cannot keep the beat. Il a pris de la laitue préfète, il a mis du jambon dedans, il va appeler ça une entrée, me dites pas. Me dites pas. Oh, oh, my distance. Oh, j'ai distance. Oh, no resistance. Même pas de vinaigrette, rien. En plus, il a même pas lavé la salade. Dans mon cul, je peux en prendre 50. Oh, il est énorme, wow. Keep distance. Ça si, ça si. Est-ce que vous êtes déjà fait contrôler par la police? Bah je vais me faire littéralement plaquer contre le sol par la police. Donc oui, j'ai du vécu, oui. Alors moi, franchement, honnêtement, the first time I get arrested by the cops, you know, it was when I was 6 years old. Quoi? He's doing, he's acting like a man. When I was arrested by the police, I was like 2 years old, you know, it's just a small time. Quand j'étais petit. Salut Kumoya, moyen on me demande du serveur Discord. Visage qui pleure. C'est pas mon problème. Du coup, merci pour le sub, en tout cas, mais c'est vraiment pas mon problème. Les policiers, ils ont perdu patience. Ils ont débarqué et tout chez moi. Et du coup, ils commencent à dire à ma mère, ouais, on prend les enfants et tout, comme ça. Ma mère, déjà, elle a pété les plombs et tout. Mais tu sais, avec mes frères, c'est à l'époque qu'on venait d'avoir la PS2. Ça veut dire, on les a pas qu'à là. La PS2, on n'a pas qu'à là la police. On n'a pas qu'à la police. Je suis quoi là? Wesh. Il put me en gueule, le take va biberon. Ah là là, t'as touché un cristaux, hein. Oh là là, c'est l'Ignac. Moi, je veux qu'on m'arrête. J'allais m'arrêter. Là, j'allais qu'on m'arrête. Arrête. Moi, j'ai fait un débit. Arrête. Arrête. Personnellement, je comprends bien. Je comprends bien, franchement. Ça ressemble à ça, je veux bien qu'on m'arrête, hein. Bon, après, voilà quoi, j'émets juste une hypothèse, mais si c'était bon. Après, voilà quoi. Passe autant de temps en prison qu'il faut, hein. Aïe aïe aïe. Kaizoku, merci non pour le prime. C'est ça le fait ? 1, 2, 3, 4, on est combien ? Il a vraiment juste pris de la salade. Oh non, on est bon, on est plus bien équilibré, tu trouves? Ils s'attendaient pas à ce que je fasse mettre la barre aussi haute. Ça va faire jaser, parce qu'il y aura de la jalousie, mais... Attends, quoi? Ça va faire peur. Je vous amène l'entrée. Moi, il y a le risque qui arrive. Ça en mode il y a une entrée de fou, il fait ça en mode il y a une entrée de fou qui arrive juste derrière, tu vois, en mode il y a du caviar, qui a des petits pains, des petits trucs. Non mon gars, il va leur ramener de la salle après quoi. Là bah c'est pas mieux ma gueule, bah c'est pas mieux ma gueule. Non, en vrai, peut-être il s'est dit ça va atténuer, tu vois, ils vont se dire putain c'est tellement nul, dès que je vais amener la salle, ils vont se dire ah c'est déjà un peu mieux, t'as capté. Non, non les gars, god damn. C'est bon, wesh. Oh non, c'est bon. T'es là, t'as pas mangé de la journée, t'as faim. Regardez comme il a découpé le... On dirait la France. T'es là, t'as pas mangé de la journée, t'as faim. T'as faim, t'as attendu ça toute la journée, tu vois, tu te poses devant la table, t'attends 2 heures.
Entrez, on te sert de la salade comme as. On te met une tranche de pain, on dirait il y a un filtre noir et blanc dessus. Waouh. Ah. Non, oh, mon gars. C'était génial, merci énormément pour le sub. Ouais, je me mets, c'était propre, j'ai coupé, j'ai rejeté. Et je vous jure, Totoche, qui de nous cinq a la plus grande gueule? Mais c'est pas possible, c'est l'autre trait. C'est l'autre trait. Mais je jure, c'est ça, tu manges ça. Moby, non c'est bon. Tu sais que ça pue? Ouais, ça pue. Mais non, c'est une entrée, personne dans la salade. J'ai mis de la vinaigrette. Eh les gars, c'est scandaleux. Quelle vinaigrette a-t-il mise? Je vais tout casser. Quelle vinaigrette a-t-il mise? On se pose vraiment la question, est-ce que c'est celle qu'on retrouve au supermarché? Ou est-ce que c'est... Ah bah, il n'y a pas le clip. Ah. Insérer le clip où je parle de vinaigrette, où je suis là, ouais, c'est bizarre la vinaigrette. Vous voyez de quoi je parle. Là, je l'avais pas posté sur YouTube. Oh non, c'est de la salade, j'ai mis de la vinaigrette et du jambon et du fromage. Mais en fait, je t'explique, genre en mode, même si on est, il n'y a aucune originalité. Genre en mode, il y avait une recherche, il y avait peut-être un concept. Eh le pain, je crois qu'il a mangé le fruit du gom-gom. Goûte le pain. Juste le goûter. C'est du pain ou du chewing-gum? Non, mais là, je crois que c'est de quoi? De quoi? Ah, ça, c'est... Mais c'est du sable. C'est une plaquette. Ils ont pas aimé, je crois. Bah, en plus, la salade elle est bonne, genre je comprends pas. Non, Loni, oh, je te parle, la vie de mon père c'est de la salade basique. J'ai mis de la vinaigrette, jambon, fromage. Ouais, il disait je vais faire un truc incroyable, vous allez voir, moi dans tous les cas j'ai gagné. Des tomates. T'as vu comment j'ai payé cher déjà? Mais moi c'est quoi ça? T'as mis de la moutarde? Ouais. Attends, il a mis de la moutarde? Mais en fait, tu fais les continents, là il a fait l'Afrique. Là il a fait l'Afrique, il a fait les continents. Ça c'est la Corse. Là, on va attaquer. Il a mis de la moutarde dans la salade. Il a mis de la moutarde dans tous les plats, genre. Je jure, c'est que des racistes qui font ce genre de plats. Raciste. Eh, avant aucune présentation, il y a rien. Moby, c'est pas. Ah, c'est en aluminium. Moi, ma présentation et tout, il y avait au moins quelque chose. Il y avait de l'originalité. Il y a mal, Monsieur. Il a fait ça. Je vous ai dit, c'est obligé, il y en a un, il va tousser comme ça. Comment tu mets de la moutarde dans ton plat comme as? Nature, rien d'autre. Avec tous les phalanges, c'est n'importe quoi ce plat, c'est n'importe quoi. Je suis un peu débordé là. Panique à bord. Eh! Oh, c'est la D. Eh! Mais la purée, faut qu'elle bouisse? Non, le lait? Regarde comme il fait beau. Dehors, faut sortir s'amuser. Du coup, vous avez fini avec la salade? Ouais, bah encore heureux. Non, attends, mais dis pas que tu dois récupérer les assiettes. Hein? Mais dis pas que je récupère les assiettes. Je réutilise les assiettes. Non, je prends les vraies assiettes, wesh. Putain, je voulais pas faire la vaisselle, fais chier. D'accord, je prends des assiettes, c'est bon. C'est scandaleux. C'est scandaleux. En fait, lui s'en fout du confort des convives. Lui s'est dit, je les sers et après j'ai pas... Même pas plus, c'est des assiettes. Normal, c'est des assiettes en aluminium, ça les réutilise et tout, mon gars. La vaisselle. Merci énormément pour le sub. On dirait que t'es un connard. Allez, bien. T'es un connard. Les gars, je pense que si je fais ça, c'est meilleur que l'entrée. Moby, t'as tout mangé. C'est meilleur. C'est meilleur. À notre succès. À ce repas. Un succès pour l'instant. Ouais, c'est ça, les gars, qui meurt en premier. 1, 2, 3, si tu meurs. Oh là là. Moby. Parce qu'il est pas souvent là pour les vidéos, donc. Non, ça va. T'es pas le Jackson qui va vraiment nous manquer, quoi. Mais son soin sera meilleur que le plat, en fait. En fait, je comprends pas. T'as pas de sens. J'aime bien couper, comme ça cuit plus vite. Bon, je vais pouvoir un peu manger ma salade, quand même. Lui-même, il va pas manger. Comment il a fait des tombées, Comment tu rates de la salade? En vrai de vrai, je me pose la question. La salade, elle est préfète, t'as rien à faire. C'est même pas comme s'il était allé chez le traiteur, il avait pris de la salade, de la laitue et tout. Il a juste pris de la salade Carrefour. Comment tu rates ça, frère? Comment tu rates ça? Tu poses, tu mets de la vinaigrette, point barre, y a rien d'autre à faire. Ouais. Oh gros, la tête, je me régale. Depuis tout à l'heure, je mange petit à petit.
Allez, on commence à s'activer. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. C'est juste de la purée. Masterclass. Par pitié, rajoute de l'eau, frérot. Aïe, 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 faute d'affaires. Les gars, aïe, comment tu sais pas faire de la purée? Il est écrit sur le paquet comment tu dois procéder, ma gueule. Tu mets de l'eau, tu mets du lait, bouillir, ébullition, t'enlèves, tu mets le truc, tu tournes, c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Tu rates de la salade, tu rates de la purée. Regarde la purée, frère. Oh là 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 là. Mate la gueule de la purée. Elle est solide. C'est la purée la plus simpliste de l'histoire. Après, je sais pas trop. Dans la purée, il y a des grumeaux là. La purée, elle est solide. Il va prendre l'air. Dans ma carrière, j'ai accepté des choses. Ouais. Mais je vais pas accepter ça. J'ai envie de dire purée, mais c'est ça qui nous a servi. C'est ça. Tu la lances contre le mur, elle s'accroche. Et c'est ce qui me sert. Viens, viens, rentre. Goûte au bol poulet. C'est du fromage. Goûte la purée, mais c'est pas de la purée. Son rire, c'est une sirène. Je mettais un câble. Wesh, c'est une alarme incendie, son rire. Pas de patrouille, rassemblement. Mon gars. J'ai dit, tu la lances contre un mur, elle s'accroche. Mais c'est pas ta modelée. C'est du chewing-gum. C'est du chewing-gum, la purée. Hey, c'est la première fois que tu m'as dit que je dois mâcher de la purée. J'ai mâché. Je mâche de la purée. Je mâche de la purée. La purée, elle est solide de fond. La purée, elle est pas cuite. Non, attends, c'est pas cuite. Elle est pas cuite. Elle est pas cuite. C'est bon. Non, mange encore. Attends, j'entends, il est froid. Mais l'intérieur n'est pas du tout. Mais il sait cuisiner, lui. Non, non, non. Regarde, il a pris un poulet. Moby, il parle trop. Moby, il parle trop. Depuis le début, il parle trop. J'espère, Moby, qu'il réserve de bons plats. J'espère qu'il réserve de sacrés bons plats. Parce que dans tous les trucs qu'il fait, le mec, il juge là. Il fait le visage. Vous voyez le visage comme ça, là, quand tu manges. Tu fais ça, là. Tu serres bien ton visage. On dirait que t'as senti un peu. Tu vois ce que je veux dire? Il parle trop, lui. Il parle trop, lui. J'espère que je réserve de bonnes choses. Il a mis le feu fort. Il faut mettre un feu doux pour laisser le temps à la chaleur de rentrer dans la... Mais tout le monde le sait, ça. Loni, arrête. Tu mets la couverture. C'est ce que je fais. Ceux qui sont déjà passés là, Loni et Van, on veut pas vous entendre parler. Vous êtes en prison. Non, non, s'il te plaît, dis-moi que genre. Chess, ça se voit, il sait cuisiner. Ouais, dis-moi en fait, t'es policier, il y a une caméra. Chess, c'est celui qui va tuer ça, je pense. En tout cas, il va faire des bons trucs, t'as capté. Ça va être mangeable, en tout cas, ce qu'il fait. À la manière dont il parlait, hein, je pensais qu'il allait vraiment mettre le paquet. Et je suis très déçu, même si on est en prison, wesh. En fait, l'extérieur c'est bon, mais l'intérieur c'est pas. Exactement. Niveau présentation, il n'y a aucun niveau. Ouais, mais le poulet est déchiqueté dans l'assiette. Le poulet, on dirait, s'est bagarré avant d'arriver. T'as goûté ou quoi? Il est poulet Charlie Delta. T'as goûté? Mais on est en prison. C'est le thème est respecté. Et alors, non mais à son auto, en fait, on aurait du mal manger. Non mais parce qu'il dit qu'il allait faire mieux. Le thème c'était SDF et que je te servais. Ouais, c'est bien, c'est le thème. Il se fout de ma gueule. Et je mange pas de respect, et tu mérites même pas mon respect, c'est ça le pire. Non mais attends, il est habillé en poulet, il sait même pas que du nul poulet. À un moment donné. Franchement, je pense que, tu sais comment c'est dur, moi, au début, je me dis, attends, mais c'est de la viande de croco. Ouais. Ça, cache-toi. Pas une fois, j'ai pu ouvrir ma gueule. Ah, reviens pas. Pas une fois, j'ai ouvert ma gueule, souvenez-vous. Moi, j'ai attendu ce jour-là. J'attendais depuis longtemps pour savoir parce que. Comment un gars comme ça qui parle comme ça, genre. Je savais qu'il allait se passer quelque chose, je savais. Non, c'est nul. C'est nul. Ce sera meilleur que nous. Dans tous les cas. Là, je sais que je vis, mais je suis dans un rêve. Je me réveille, non? Vas-y, gifle. Ah, je suis là. Oh, en fait, c'est pas bon. Comment tu peux garder de la purée à l'état solide? C'est pas normal.
pas normal. Il dit ouais nanani c'est police. Moi j'ai vraiment appelé la police pour que t'as fait. Les gars, je vois, à un moment donné, il va falloir me retenir. Sors le dessert, sors. Je lui dis, je vais me lever, d'un coup, personne va me voir, je vais arriver vers lui direct. Ça va le pull-up, vu que ça va le pull-up. Ça rentre un peu. Non. Tu peux l'acheter des moquettes. Il a... J'en suis au premier degré, le dessert, il l'a acheté, il va rajouter une petite touche qui fait que, genre, en mode, ça devient mi-homemade, mi-industriel. Tu vois, genre... Il s'attendait à beaucoup trop, frère. Il s'attendait à trop. Leur barre, elle est trop haute. Il va juste mettre du fromage blanc et un boudoir. Même pas, il va sucrer le fromage blanc. Deux, trois cuillères de fromage blanc, un boudoir, c'est tout. T'as laissé toutes les noix de la nature. Ah, Einstein devant toi, il dit, mais comment tu fais, mais c'est... Regarde, on dirait les ballons en primaire quand il y a la pluie. Alors, ça sera plutôt Darwin, plutôt pas qu'Einstein, ça sera pas Einstein, plutôt Darwin, mais bon, vas-y. Tu fais, mais c'est... Regarde, on dirait les ballons en primaire quand il y a la pluie. Les ballons en primaire quand il y a la pluie. Mais c'est n'importe quoi. Les ballons en mousse. Mais c'est n'importe quoi. Genre, je dois découper la purée. Oui. C'est un truc d'eau, je découpe ma purée. Imagine la purée, elle croustille. Oh non, c'est une masterclass. C'est que là, quand je remets ça, c'est fini pour moi. Ouais, vous avez fini là, il y a rêvé de serre ou... En fait, c'est une vidéo, elle peut pas faire un dîner parce qu'elle a raté, mais cauchemar en cuisine direct. C'est ce Je suis en train de manger la semaine, je fais des blagues. Non, mais en vrai, les gars, désolé pour le poulet. En vrai, j'ai essayé de bien le faire et tout. La purée, j'ai jamais fait de purée de ma vie. Et je me suis dit, purée, c'est prison, tu vois. Ah bah purée, hein. Oh purée. Oh, là, purée. Oh, purée de pommes de terre. Non. Il a pas osé. On sort, c'est bon. Mais poteau, il a fait les trois mousquetaires qui se peignent. C'est quoi ça? Chef, c'est quoi ça? Oh mon dieu, le coup. Mais tu feras pas ça. Wesh, Moby. Moby, on sort bien. Ah, j'ai de l'épreuve, s'il vous plaît. Oh, ma tête, en plus, je vais te péter là d'un coup. Allez. Il a critiqué mon tiramisu, vous vous souvenez ou pas? Mais ton fromage blanc, t'as même pas de sucre. T'as mis nature. Nature. Wesh, mais non, les gars. Non, c'est vraiment pas prototoche, frère. C'est juste ce que j'ai dit, fromage blanc nature, il a même pas mis de sucre, frère. Qu'est mon tiramisu, vous vous souvenez ou pas? Mais ton fromage blanc n'a même pas de sucre. T'as mis fromage blanc nature. Nature. Mais c'est bon. C'est dégueulasse. Bobby, il est pas... Non. Mon tiramisu te donne... Non. Non, c'est terrible. Son fromage blanc n'a pas de sucre. C'est dégueulasse, son fromage blanc, ça rien. Bobby, Gang a fait quoi? Totoche a fait les pires plats possibles. Totoche, il a fait rien. Il a fait les pires plats possibles. Après tout ce qu'il a dit sur moi. Après tout, il m'a critiqué comme un ouf. C'est 4 mois qu'il parle. Et les gars, je vous jure. Les gars, je vous annonce mon dîner presque raté, c'est une masterclass. Et les gars, je vous montrerai. Il a tout dit. Les gars, je vous annonce mon dîner presque raté, c'est une masterclass. Non, les trois. Ah putain. Non, la tête. Aïe aïe aïe, il a posté les trois boudoirs comme ça dans du fromage blanc. Ouais, c'était Naruto en fond. La tristesse du plat. Mesdames et messieurs, aujourd'hui il y a eu un meurtre. Ouais. La porte du jeune dénommé Totoche. Il a eu 4 meurtres. 4. 4 ventres. 4 gorges. Là tu tombes pas où ? Personne. Meurtrier ! Assassin ! C'est lui qu'on doit foutre en prison. Cet homme, nommé Totoche, va être condamné. Je sais, c'est dur. Bonjour Moby. Bonjour Moby. Non, franchement, j'arrive pas à m'en remettre. Il a posté les trois boudoirs comme ça là.
Il les a juste posés sur le fromage blanc. Moi, franchement, ça m'a tué de savoir qu'il pouvait faire des trucs comme ça et... Je me... C'est bien, applaudissez, applaudissez. Applaudissez. Bonsoir, tu t'appelles comment? Ton prénom. Ça va aller. T'as oublié ton... Bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles comment? Idriss. Depuis maintenant. C'est le fromage bleu. Le goûter, Idriss. Non mais tonton, je... L'avion. Ah. Idriss, calme-toi, Idriss. Ok, explique-nous ton fichu, Idriss. Ce forcing là, frère, ça y est. Non, putain. Non mais, comment tu veux dire que ça a passé du fromage blanc nature? Comment tu veux dire que ça a passé? Pas de jugement physique ou personnel. C'est une première que dans cette réunion, on a l'agresseur qui est aussi victime. Les notes, non mais les gars. Les gars, comment ça? J'ai vraiment pété un câble. On va remettre quand il a ramené les plats. Il a pas osé. On sort, c'est bon. Mais le photo, il a fait les trois mousquetaires qui se peignent. C'est quoi ça? Chef, c'est du fromage blanc. Mais du fromage blanc. J'ai rien vu. Bobby. Non. C'est du fromage blanc. Bobby, on sort, viens. Ah, j'ai donné les bras, s'il vous plaît. Ma tête, en plus, je vais te péter là d'un coup. Ah putain. Les trois boudoirs, ils t'attendent devant le plat comme as. T'arrives, tu veux goûter, y'a du fromage blanc nature. Nature, ça te colle au fond de la gorge. Même pas le boudoir, il est sucré, frère. Mesdames et messieurs. Non, c'est vraiment pas pro, Bobby. On va être condamné. Ah, franchement, ça m'a tué. Non, c'est, j'ai dit Bobby en plus, Totoche. Ton prénom, ça va. Je pense qu'il ne mérite pas un point. À mon humble avis. À mon humble avis, pas un seul point. Je suis plutôt satisfait. Globalement, je suis plutôt satisfait. L'entrée, salade, tac. Après, en fait, le problème dans l'entrée, c'est la moutarde, c'est juste ça. Ensuite, il fait le poulet. Le poulet bien assaisonné, tout. Clément, il l'a mis dans le montage, de toute façon. Bien ça. T'as vu comment j'ai assaisonné le poulet avec amour? Moutarde, tout, paprika, tout, carré. La purée, c'était du foufou. Mais dans l'idée, en prison, tu manges ça. Donc moi, je suis resté dans le thème pour moi. La déco, elle est somptueuse. Donc globalement, je pense que si je devais... Mais là, il y a les autres, ils sont juste derrière. Il y a même pas de confessionnal. Les autres, ils sont juste là. Trop mat. Ça va aller. Non, mais... Non. Je pensais pas... dans ma vie, goûter quelque chose d'aussi infect, bêtement. J'ai l'impression qu'il a cuisiné avec ses pieds. Et encore, j'ai déjà vu des gens cuisiner avec leurs pieds et c'était meilleur que ça. Zéro, frère. Zéro. Et comment ça, t'as déjà vu des gens cuisiner avec leurs pieds, Chess? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Je me rappelle, il y avait des légendes chez moi, frère. Vous voyez les daronnes du quartier, celles qui vendent des pastels, des glaces à l'eau, tout ça. Il y avait des légendes comme quoi elle faisait ses glaces à l'eau avec ses pieds et tout. Et des trucs comme as qui tournaient. 20 centimes, elle fait avec ses pieds. Déjà, il arrive, il vient et tout, c'était super. Les légendes du quartier comme ça, frère. Okay. Ah bon... Surtout que t'ouvrais la porte pour aller acheter ses glaces à l'eau, une chance sur deux que tu la vois en train de les faire juste là, genre. 8 sur 10, c'était investi, c'était carré. Mais le reste, c'est 0. Entrée, 0. Je préfère sortir, on va savoir pourquoi. Ensuite, il nous fait de la purée. La purée, c'est du cuir, c'est du carton, je sais pas, il nous fait manger quoi. Poulet pas cuit. Ensuite, le dessert. 3 boudoirs, côte à côte collés, comme les 3 doigts de la main. Dans quoi? Dans du fromage blanc sans sucre. C'est un 0 pointé, Totoche. T0T0CHE. Zéro. C'est comme ça que je vais l'appeler. Vas-y, Moby, viens parler. Viens. On arrive, tout ça, on voit, franchement, ok, un petit délire police, tout ça, keuf, chicken, poulet, tout ça, nan. Ça va être les plats de la cantine, donc je n'arrive pas à poser de mots sur ce plat, tellement c'est de la merde. Faut le voir pour le comprendre, ou le vouloir, ou le pouvoir, ou le, je sais pas, ta mère. Ça me casse les couilles, frère. -1.
Ok, bon. Comme Moby, on va essayer d'être très objectif. Ok, d'accord, il a créé une ambiance et tout. Tu peux chipper jusqu'à Marseille. Je me pose la question, mais comment ça doit faire genre d'être connu? Mais genre au lycée, tu vois, t'es connu sur les réseaux et tout, mais t'es au lycée en même temps, ça doit être giga bizarre. Genre Moby, il vient de passer son bac, Miskin, frère, il a 17 ans, frère, c'est un petit, il est tout petit, Miskin. Comment ça doit être bizarre un peu. On va essayer d'être très objectif. Ok, d'accord, il a créé une ambiance et tout, tu peux chipper jusqu'à Marseille. L'organisation, ok, d'accord, les décos, c'est cool. Ok, il a mis une guirlande et une casquette, tout le monde est content. On est en prison, cool. Mais c'est pas pour autant qu'on doit manger la bouffe de la prison de Guantanamo. Et je suis sûr qu'à Guantanamo, en fait, c'est super luxueux. Ce qu'on a mangé, franchement, c'est pas possible. La purée, c'est pas de la purée, c'était de la pure. Il a réussi à la couper au détail. Franchement, c'est du jamais vu. Vas-y, BG. Vas-y, va aux toilettes, va chier. Va chier ce qui... Ouais, chier tout ça. Et le poulet. Je connaissais le poulet pas né, peut-être. Mais le poulet pas cuit, je connaissais pas. C'est dégueulasse. Non, vraiment, je mets zéro partout. Sauf la présentation, je mets... Allez, deux. Les gars, c'était la fin de mon... Il a eu un zéro pointé, là. Parfait. J'espère que ça vous a apprécié la vidéo. Moi, bref. N'hésitez pas à follow tous mes réseaux. N'hésitez pas à me follow sur Insta, TikTok. Il a eu un zéro pointé. Force à moi. Allez, merci. Hein. Et les Jackson, trouvez leur Insta, je vais pas les mettre. Comment t'as un zéro pointé? Comment t'as un zéro pointé? Zéro pointé, zéro.